Bonjour à toutes et à tous. Dans cette période de confinement où il est d'abord évidemment primordial de respecter les règles de sécurité et de rester chez soi, Berjalais News a décidé d'essayer de maintenir le moral des troupes berjaliennes et de continuer à partager notre passion à la fois pour le rugby et pour le CS Bourgoin-Jallieu en réalisant, si possible une fois par semaine, des petites vidéos qui nous permettent de continuer à partager notre passion commune. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous faire passer des petites vidéos qui racontent une de vos émotions vécues à Pierre-Grageon ou ailleurs, une de vos émotions en Sierra Leone, et les plus réussies seront bien évidemment mises en ligne sur les différents supports de la radio. Alors aujourd'hui, pour cette première, j'ai choisi de vous parler des couleurs, parce que les couleurs, au même titre que le blason, c'est quelque chose de fondamental dans un club. Et pourquoi Sierra Leone? Pourquoi Sierra Leone à Bourgoin, alors d'ailleurs que les couleurs de la ville sont plutôt le bleu et le rouge? Eh bien tout simplement parce qu'en 1906, quand le club sportif bergusien a été créé, avant de devenir plus tard le club sportif Bourgoin-Jallieu, il y avait un Anglais qui jouait du côté de Prébeny avec ses petits camarades qui sont à l'origine du club. Et cet Anglais a proposé de reprendre les couleurs de son club de football de cœur. Il était originaire de Birmingham et son club de cœur c'était Aston Villa. Pour ceux qui suivent un petit peu la première ligue anglaise, Aston Villa c'est un club de Birmingham qui joue en Blue and Claret, je m'excuse pour l'accent, ce qui veut dire littéralement ciel et grenat. Et donc le club a décidé en son honneur de reprendre ses couleurs. Alors le maillot a ensuite évolué au gré des époques et au gré également des partenaires équipementiers. Donc il y en a quelques-uns derrière moi. Alors on peut aussi inviter par un petit sondage à chacun d'entre vous à s'exprimer sur celui qu'il préfère. Moi, à titre personnel, celui que je préfère, c'est celui qui se trouve dans ce très bel ouvrage sur 1000 maillots de rugby. C'est celui des trois finales de 1997. D'abord parce qu'il est synonyme d'une très belle époque pour le CSBJ. Sans doute aussi parce que je le trouve très équilibré entre le ciel et grenat avec ses quatre grands damiers. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour à nouveau un petit brin d'histoire sur le CSBJ. D'ici là, prenez soin de vous, c'est important. Et puis surtout, n'oubliez pas le cœur ciel et l'âme grenat.